Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 8 janvier. C'est l'anniversaire de ma belle-sœur, donc si elle passe par là, bon anniversaire encore. On dit bon anniversaire à Tata. Donc, oui, je ne suis pas coiffée. En fait, je ne veux plus de ma frange. Zut, ça tient pas. Et c'est un petit peu embêtant. Je sais pas comment m'en débarrasser avant qu'elle repousse. Donc inutile de me dire que je suis moche, que mes cheveux ne ressemblent à rien pour celle qui s'est fait plaisir à me dire ça. Je le sais, j'en suis consciente et je m'en fous en fait. Voilà. Donc je sais pas si vous apercevez derrière. On va manger là. C'était pas vraiment prévu, mais on s'est levé très tard avec Ethan. Et du coup là, il est presque 14h. Donc on va manger seulement maintenant ici. Et bah en fait, je suis sur Pont-Audemer, c'est la grande ville, entre guillemets, hein, la plus proche de chez moi, parce qu'il faut que j'aille à la poste pour poster. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là! Il faut que j'aille poster, donc, Lily Rose, elle s'appelle. Donc, je vais poster la petite Lily Rose d'Océane. J'ai pas pu prendre le deuxième colis, donc j'irai plutôt demain. Ou mercredi, si j'ai du temps, je sors. Non, je vais essayer d'y aller demain. Demain, la poste est ouverte. Parce qu'en fait, là, la poste chez moi n'est pas ouverte. Le lundi, je vous l'ai expliqué, la campagne, voilà, bref. Donc, c'est pour ça que je suis venue là pour poster le colis. Il faut que je trouve où est la poste. Par contre, je connais pas trop cette ville. J'en profite aussi parce qu'il y a Action en face. Donc, du coup, on va faire un petit tour à Action. Voilà, et je suis censée vous tourner plein de vidéos et je l'ai toujours pas fait. Il faut que je vous tourne la vidéo des cadeaux de Noël d'Ethan. Dites-moi si ça vous intéresse. Même si Noël est un petit peu passé depuis un moment. Il a encore eu un cadeau hier, voilà. Le cadeau de Noël, c'est toute l'année pour Ethan. Donc du coup, voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et une vidéo que je dois vous tourner, que vous auriez dû avoir, j'aurais aimé que vous l'ayez dimanche, mais elle est toujours pas tournée, j'ai envie de faire un truc original, machin, et j'y arrive pas. Donc voilà, enfin je suis en manque d'inspi, donc bon, faut quand même que je me magne un peu, hein, et voilà, bon, donc aujourd'hui, journée un peu shopping, tout ça, j'espère que ça va vous plaire, et on se débarrasse du reborn au malheur. Tant qu'elle n'est pas encore arrivée chez Océane, je n'ai pas respiré quand même, clairement, soyons clairs, avec toutes les poisses que j'ai eues, il est encore bien capable de lui arriver un truc en chemin. J'ai très peur. Voilà, mais après ce sera plus de ma faute. Hein. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Là, je l'envoie qu'aujourd'hui pour dire qu'elle a pas passé le week-end au dépôt. Donc bon, c'est déjà ça. Il faut aussi que je trouve la poste. Ça, c'est pas gagné. Oui, ça yeah. Oui. Tu as mangé quoi? Un burger. Oui. Avec des frites. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard, même beaucoup plus tard. Il doit être 4 heures. On a mangé, je vous ai pas emmené avec nous, on a mangé, on est allé chez Action, je vous montrerai les bricoles, enfin, j'ai pas acheté grand chose et pourtant j'en ai eu pour 23 euros, mais j'ai surtout pris des produits pour faire le ménage, mon téléphone sonne et s'arrête, et je reviens de la poste, alléluia, déjà j'ai mis 20 minutes à trouver la poste, j'ai tourné partout et tout, je connais absolument pas cette ville en fait, donc voilà, et c'est un petit peu plus grand que ce que je pensais, du coup j'ai trouvé la poste, ouf, et des dames trop gentilles, j'ai galéré quand même, on va pas vous mentir, j'ai galéré un peu. Je me suis mise sur les bornes automatiques là pour envoyer mon colis une première fois. Je me rends compte que j'avais oublié le petit papier avec l'adresse d'Océane dans ma voiture. Je ressors avec Ethan, avec le colis, etc. pour reprendre. Je reviens, je recommence sur la borne. Ethan se tortillait, avait envie de faire pipi, se met à pleurer. Donc je demande à la dame gentiment si c'est possible d'avoir accès aux toilettes. Elle me laisse aller aux toilettes. Je reviens, forcément, et j'ai dû tout recommencer sur la borne. Et la borne hors service, j'ai bon, ok. Ok, donc j'ai été voir la dame très gentille, elle m'a filé un bon, j'ai rempli à la main en fait, tout simplement. Voilà, et Océane ne m'avait pas donné son nom de famille, donc j'ai fouiné sur Facebook, j'aime fouiner, j'espère que je ne me suis pas trompée, je vais voir avec elle, mais bon, logiquement avec l'adresse, le colis devrait arriver, hein, la dame m'a dit. Il arrivera dans 2 jours, parce que eux font bien la levée à 16h, donc on est bon. Oui, mon amour? Tu veux quoi? Ethan. Ethan quoi? Ethan. Je comprends pas. Ethan. Tu veux que je montre Ethan? Ouais. Faut que je montre Ethan, ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan. On a été à la poste? Le colis n'est plus là? Il est parti le bébé. On va ranger la tétine, non? Là. Si. Donc là, on va faire nos courses et après on va rentrer. Il va déjà faire nuit, je pense, quand on va sortir. La journée est vite passée. Et du coup demain rebelote pour mettre le colis de je ne sais toujours pas son nom décidément, bah pour mettre Twin A à la poste quoi, voilà.
Voilà, ce sera fait. Et ensuite, je m'attaque à un nouveau kit. Il faut aussi que je vous tourne la vidéo, mais là, il va faire déjà nuit. Voilà, ça passe trop vite, en fait. Je n'ai le temps de rien. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je ne pense pas filmer dans les magasins. Je ne pense pas. Là, je vais juste faire mes courses pour manger la semaine. Donc, ce n'est pas très intéressant, vous me direz. Donc, on y va. Vas-y, viens. Avance. Voilà. Alors, on est rentré des courses pour 17h30 là chez nous. Et j'ai menti, il ne faisait pas nuit quand on est sorti. Et là, la nuit vient juste de tomber, mais sinon il faisait encore jour, donc les jours rallongent. C'est génial. J'ai retrouvé Marie la chiasse. Elle est là. Elle est grosse hein, maintenant, vous voyez. Dire qu'elle tenait dans ma main et maintenant c'est rien. Ah bon, d'accord. Et j'en ai perdu un par contre. Regardez qui j'ai perdu. Donc c'est un petit peu embêtant. L'autre jour, il m'a fait ça aussi. Il s'est endormi vers 17h30 dans la voiture. Je l'ai mis dans le canapé. Et il s'est réveillé qu'à 20h30. Impossible de le réveiller. Bon, là, je vais essayer parce qu'on va pas refaire la même erreur. Je vais essayer de le réveiller. Je vais peut-être juste en profiter pour faire à manger le temps qu'il dorme. Juste faire mes boulettes de viande tranquillou. Mais je vais pas le laisser dormir, c'est pas possible. Il est épuisé en ce moment, pourtant il se lève tard. Enfin, du coup, il fait plus de sieste, il se lève tard. Enfin, bon, bref. Voilà, je vous ai pas montré mes courses. Mais si jamais ça vous... Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse dans les vlogs des autres. Mais si ça vous intéresse, désormais, vu qu'on est seul, Ethan et moi, et puis que, surtout, c'est, on va dire, une bonne résolution de l'année. En fait, avec Gauthier, on fait beaucoup, beaucoup trop de gaspillage. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, on fait... Enfin, tout. Pas que tous les mois, mais on fait des courses tout le temps, comme tout le monde. Et on achète de tout et n'importe quoi et on sait pas quoi faire avec et donc ça finit par se périmer et on les jette. Donc maintenant je me fais des petits, si c'est à l'endroit c'est mieux, des petits menus à la semaine. Comme ça. Alors c'est pas facile parce que j'ai pas tellement d'idées de recettes ni rien, c'est toujours pareil j'ai l'impression. Mais pour Noël j'ai eu un autocuiseur donc du coup je peux faire plus de choses parce que je sais pas très bien cuisiner, je vous l'ai déjà dit je crois. Donc j'essaye de faire des menus pour la semaine, voilà midi et soir. En sachant que, admettons, je sais plus, ce soir j'avais mis haricots avec lait de coco et dinde. Si on n'a pas envie de manger ça, je prends autre chose de la semaine et puis j'échange. Hein, voilà, c'est pas non plus la cantine. Voilà. Et là, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Bref, je sais pas si le vlog aurait été très très intéressant, mais je vais vous faire plus de vlogs, je vous disais, sur ma vie quotidienne. Bon, il y a des jours où c'est pas intéressant. Mercredi, j'ai une journée très très intéressante pour vous. Pour moi aussi, pour Gauthier. Et je vais vlogger parce que bah déjà, je veux absolument que Gauthier puisse partager cette journée. Je vois ma soeur mercredi. Voilà, on fait un truc toutes les deux. Un truc vraiment génial. Et comme Gauthier n'est pas là, bah je vlog. Comme ça, ça va lui permettre de partager cette journée. Attendez, est-ce que je reçois des commentaires d'une nana, cette nana, je ne dirai pas son nom parce que je pense qu'elle cherche juste à ce que je parle d'elle, me dit toujours des commentaires méchants du style que je fais que de montrer mes seins en vidéo. Bien sûr, puis elle me dit j'ai l'impression que tu es une arnaqueuse mort de rire. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, j'arnaque mes abonnés et tout. Je n'ai que ça à faire. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Ce que je dis depuis tout à l'heure. Là, je le dis depuis tout à l'heure et je le fais pas. J'ai racheté un paillasson comme ça, enfin un paillasson, un petit tapis. Je le mets sous ma porte-fenêtre quoi, qui donne dans le jardin. Surtout l'été, enfin quand il fait beau, si on sort. Mais le dernier qu'on avait, Onyxia a fait caca dessus. Du coup, j'ai pas cherché, je l'ai jeté. Ensuite, j'ai trouvé un cadre comme ça. Je sais pas si ça va bien rendre, mais en fait, il est pile poil de la couleur de la chambre d'Ethan que je suis en train de faire. Donc voilà, je trouvais joli, je pourrais mettre une affiche dedans. J'ai ma belle-sœur qui m'a montré une affiche avec un tipi et il y a écrit Ethan sur AliExpress, il faut que je le commande. Et que je vois si ça pourrait rentrer dedans, ce serait trop joli. J'ai pris ça pour Ethan. Vous savez, c'est les trucs qu'il faut juste mouiller et ça colle, on peut faire plein de choses. J'ai eu ça chez Action pour 2€ et quelques, je me suis dit que ça allait nous occuper. C'est pas mal. Bon après, j'ai pris surtout, je vous le disais, j'y allais pour des produits pour le ménage. Ils sont super leurs produits. Donc ça c'est pour la cuisine, ça détache aussi le linge. Le produit pour les toilettes, voilà, on est ravis. Et c'est ce produit qui est magique. Qu'enlève la moisissure surtout, les joints de salle de bain, les jouets pour le bain. Ma mère elle l'utilise partout aussi, mais franchement, dans la douche, dans les toilettes, enfin, si vous voulez nettoyer à fond, ça sent fort. Et Ethan, je suis un peu blasée par contre, Ethan dans Action, il a appuyé dessus, alors ça coule pas, mais il y a un endroit où ça a dû couler. Et il a fait des petites gouttes sur son pantalon, donc il y a des gouttes, c'est à base de Javel, hein, c'est sûr.
Vu l'odeur et tout, de toute façon j'adore l'odeur. C'est sûr qu'il y a de la javel et donc il a taché son pantalon à la javel. Donc voilà, il y a des taches qu'on ne pourra plus enlever. Après, ce que j'ai pris concrètement, c'est des bricoles. J'ai repris les piles chez Action. Bon, elles sont vraiment pas chères, moins de 2 euros, mais vous les changez tous les jours. Des crèmes pour les mains, parce que j'ai les mains trop trop sèches et c'est mon rituel du soir. J'en ai pris deux, celle-ci, je la trouve trop trop belle. On verra ce que ça vaut. J'ai repris une brosse comme ça pour laver la vaisselle, parce que la mienne est à la poubelle. J'ai pris du gel douche pour mon chéri. Ah, mais c'est le gel douche qui a coulé. Ah non! Bon, ceci dit, ça sent bon, mais quand même... Quand même, on n'était pas obligé, hein. Bref. Des petits feutres pour Ethan, parce qu'il a écrasé les siens, il a perdu les bouchons et tout. Et un coupon pour Gauthier, parce que comme il part, et on n'en avait qu'un, il ne pouvait pas l'emmener. Et quand il part 15 jours, il a besoin de se couper les ongles. Voilà. Ah oui, et puis ça. Un tapis réutilisable pour la cuisson des gâteaux, etc. C'est vachement bien. Ça m'évitera d'acheter des feuilles tout le temps quand je suis en panne de feuilles. Puis j'aime bien les trucs réutilisables, justement, ça évite aussi... pour les déchets, etc. Vous voyez, je suis pas trop dans ce délire, mais quand je peux, bah, quand je peux, je le fais. Voilà, voilà. Bon, je sais pas ce que je vais vous refilmer d'ici ce soir, mais je vais pas vous laisser sur ça parce que sinon ça aurait été vraiment, vraiment nul. Il faut absolument que je fasse la vidéo des cadeaux de Noël d'Ethan maintenant qu'il a eu tous ses cadeaux et que je fasse la vidéo spéciale dont je vous parlais. Mais j'ai un petit peu d'inspi, il faut que je vois avec ma soeur ce qu'elle en pense. J'ai un trou ici. C'est fou ça. J'ai un peu d'inspi, il faut que je vois. Et puis ça va me demander un peu de temps à tourner. Donc bon, il faut que je fasse ça rapidou. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ou bien pour clôturer, je sais pas encore.